Bonjour à toute personne qui regardera cette vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre la chaîne Crazy Kid, je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue et puis j'ai eu envie de faire un premier épisode sur l'avancée des travaux de la Chrysler Turbine de chez Johan. Voilà, bon, parce que ça met beaucoup de temps et j'avais envie de faire une petite vidéo sur les débuts de tout ça. Alors là on a toutes les pièces du moteur qui sont rassemblées. Il y en a quand même une vingtaine et franchement pour une maquette des 30 Glorieuses c'est très très sympa. Alors comme on peut le voir ici, il y a des choses assez extraordinaires. Par exemple, vous voyez cette pièce-là, il y a tout un détail, enfin un détail, enfin voilà, ils ont fait le détail de ce que c'est dans la réalité au niveau de cette pièce. Or il faut venir la coller dans cette pièce-là comme ça, tac. Donc une fois collé, on ne verra même plus ça. Je trouve ça assez funky. Vous savez, ils auraient pu mouler tout ensemble, par exemple. Ça aurait été possible aussi. En fait, ça c'est sympa parce que ça permet à des gens qui ont envie de le faire, de construire le moteur, mais en le laissant en pièces détachées, dans un diorama garage ou pas, des trucs pareils, c'est fou, quoi. Même si je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de garages qui devaient s'amuser à démonter des moteurs de Chrysler Turbine, mais quelqu'un qui veut faire un garage un peu historique sur les ateliers Chrysler de l'époque, parce que c'est des ateliers, je pense, spécialisés qui s'occupaient de ça. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, petite anecdote, il y a des choses pas logiques, donc même en respectant le plan. Alors, ça va être déchromé, parce que c'est pas chromé comme ça dans la réalité, mais lui, ce qui est bien, c'est que vous avez ça et ça, pour venir mettre ça et ça de l'autre côté. Eh bien, ils ont fait visiblement une erreur, c'est qu'au lieu d'avoir un trou ici, alors qu'on a ici une sorte d'ergot, eh bien là, c'était un ergot qui dépassait. Donc, je l'ai coupé avec une pince, et je me disais, ben, je vais couper celui-là aussi, et puis comme ça va tomber juste, parce que sinon, on a un écart. Mais en fait, non, je vais faire encore mieux, je vais tout simplement percer un petit peu de manière à ce que lui puisse rentrer là, et comme ça, on va être pile poil. Donc voilà, c'est une maquette sur laquelle il y a des choses comme des sortes d'erreurs de conception, enfin c'est bizarre. Selon le plan, il ne devrait pas y avoir l'ergot que je viens de couper là et que je vais percer maintenant. Bon, c'est à savoir, mais bon, la petite astuce là, c'est sympa, comme ça on est sûr que ça va tomber juste. Et voilà, donc j'ai refait le trou qu'ils n'ont pas fait. Et maintenant, j'ai quelque chose de stable, de sûr, de précis. Voilà. Vous voyez, si je vais essayer de tourner, il est bien bloqué. Il n'y a plus de jour parce que j'ai bien percé. C'est nickel. Nickel chrome. Alors regardez, je me suis amusé à faire un petit montage photo. En haut, vous avez les pièces de la maquette. En bas, vous avez les pièces réelles. J'ai trouvé cette photo magnifique en termes de qualité sur, je pense, Wikipédia, hein, qui montre les détails du moteur de la Chrysler. Donc, regardez la pièce numéro 1. J'ai mis des liens qui vont vers la pièce maquette, vers la pièce réelle. Et franchement, Johan a quand même été assez loin dans le délire, ça fait super plaisir. Donc vous avez la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3 et la pièce 4, c'est vraiment superbe. Et puis la partie que j'ai intitulée 5, eh bien c'est une partie qu'on ne voit pas puisqu'elle va se trouver dans le gros bloc que j'ai encadré également. Mais donc franchement, encore une fois, pour une maquette des 30 Glorieuses, c'est vraiment superbe. Et en plus, ça me permet d'avoir une idée de la couleur à mettre puisque, comme j'ai déjà dit, les chromes vont être dégagés et mis en primaire et ensuite en couleur. Voilà, donc dans l'intro de cette vidéo, vous aurez vu un peu le travail des bavurages sur le moteur, etc. etc. Puis pour ce qui est du reste, ça n'a pas énormément avancé, vous voyez. Donc en fait, j'ai mis en primaire la carrosserie et des parties de carrosserie, mais pas encore l'intérieur. En fait, je travaille toujours de cette manière-là parce que je sais déjà que quand je vais dresser le primaire, il y aura des petits endroits, il faudra faire des petits raccords. Et dans ces cas-là, c'est à ce moment-là que je mets le primaire sur toutes les autres pièces. C'est ma manière de faire. On a la carrosserie ici qui a été mise en primaire noire AK interactive. Il n'a pas encore été dressé.
Ensuite, il faudra faire un masquage parce que je commencerai par aller peindre le ciel de toit qui, je pense, est clair dans un espèce de beige. Enfin, il faut que je retourne voir des photos. Et ensuite, je protégerai le ciel de toit. Je m'attaquerai au toit qui est un vinyle noir. Je le masquerai, puis je ferai tout le reste en couleur bronze. Mais franchement, c'est pas mal. Alors, il y avait beaucoup d'ébavurages à faire aussi sur cette pièce. En fait, il y a de l'ébavurage à faire partout sur cette maquette. Et c'est un plastique cassant, donc il faut faire très attention. Alors, ça, c'est très amusant parce que vous voyez les bâtons de glace que j'achète en stock dans les magasins comme Action, rien du tout. Pour les pièces pour lesquelles il vaut mieux venir mettre du patafix parce qu'on ne sait pas on ne sait pas se démerder avec ça. Ouais, les pièces de carrosserie en général, c'est mieux le patafix. Eh bien, c'est cool parce que ces bâtons en bois, ben, ils tombent pile poil dans les encoches destinées à la pince. Ça, c'est fourni avec ça quand on l'achète. Mais on arrive à mettre sans problème ces trucs-là dans les encoches. Donc, c'est quand même assez sympa. Ça, c'est pas du Tamiya. Et on peut venir facilement le placer là, vous voyez. Tac, et c'est stable. Donc, franchement, c'est un super, super article dont j'avais fait la revue de bois. Donc, revenons-en à la voiture. Donc, voilà les pièces de carrosserie. Alors, moi, je commence toujours par les parties internes hein, quand je mets du primaire. Voilà, donc là, on a le capot. Comme vous pouvez le voir, l'autre côté, ben, il y a la pâte à fixe et le plastique d'origine. Donc, maintenant que ça a été mis en primaire, lors de la prochaine session, la pâte à fixe se retrouvera de ce côté-là et je viendrai mettre le primaire de ce côté-là. Je préfère faire ça comme ça que l'inverse. Voilà, c'est ma façon de faire. Donc, dans les montages qui ont été faits jusqu'à présent, il y a cette partie-là, cette pièce-là. Toute la structure ici, qui représente la structure métallique, a été collée sur ce qui représente la pièce de carrosserie, donc la porte de corde. Donc, c'est super sympa. Ça c'est très très bien mis, ça fait très réaliste de devoir venir coller ça sur ce qu'on pourrait qualifier de feuille de tôle de carrosserie et c'est vraiment magnifique, ça fait super plaisir et tout ça j'ai été voir les photos réelles, ça doit être mis en couleur bronze aussi donc nickel, voilà. Et comme pour le capot de l'autre côté, c'est pas encore mis en primaire. Ensuite nous avons donc toutes les autres pièces de carrosserie, hein. Voilà, là on a une portière. La portière, il faudra venir coller à l'intérieur la contre-porte qui est là. Donc là, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je colle d'abord la contre-porte avant de mettre le primaire? Mais en fait, non. Je ne peux pas faire ça. Ça tient même très très bien. Voilà la contre-porte. Comme ça, ce sera plus facile à mettre en peinture. Mais la manière avec laquelle on doit venir accrocher la portière. Donc je dois coller ça là. Mais si je le colle à l'avant, je ne pourrai plus venir placer la portière là. Donc il faut peindre et détailler tout séparément. Et puis délicatement, je viendrai coller ça là-dessus pour pouvoir ouvrir et fermer les portes. Voilà, c'est sympa, ça demandera un petit peu plus de taf, un peu plus de patience peut-être, on verra bien. À mon avis, je mettrai une petite gouttelette ou deux de cyano hein, sur le panneau et puis hop. Donc voilà, l'intérieur il doit être en bronze avec des endroits en couleur chrome, mais c'est vraiment très très beau aussi. Encore une fois, il faut un petit dressage de primaire évidemment, hein, encore une fois rien n'a été dressé. Et puis voilà les ailes avant qui sont superbes aussi en primaire. Je trouve ça super sympa d'avoir des pièces de carrosserie à devoir venir placer parce que ça fait vraiment très réaliste, t'as vraiment l'impression de monter une bagnole, quoi. Donc ça c'est la classe. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo. Numéro 1 sur le démarrage de cette voiture. Alors évidemment, oui, comme je l'ai déjà dit, voilà, c'est très lent parce qu'il faut tout ébavurer. Et alors, c'est le plastique est ébavuré, est épais. On dirait que le moule n'a pas été pressé correctement ou le moule était abîmé, je ne sais pas. Et c'est un plastique un peu ancien, très cassant. Donc, il faut vraiment y aller relax. Max prend son temps. Et en plus, il y a pas mal de réflexions à avoir quant à l'ordre de montage. Et donc parfois, est-ce que je peins avant ou après avoir collé telle ou telle pièce? Donc, voilà, pour que ce soit fait correctement, je prends le temps de réfléchir. Parce que le plan est quand même assez sommaire. Il y a même des pièces qu'on ne voit pas sur le plan et on doit plus ou moins en déduire de l'endroit où il faut les mettre. J'espère que cette petite vidéo vous aura amusé, vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Pierre la chaîne Crazy Kid. Ciao, ciao!